Une princesse très charmante pour l'actrice anglaise Lily Inv. Découverte avec les séries Downton Abbey dans laquelle elle incarnait l'irrévérencieuse Rosem Seclar. Être choisie pour interpréter les plus célèbres des princesses d'une super production Disney. Tout d'un conte de fées. Le réalisateur Kenneth Branagh était conquis par ce voix et son rire enfantin, précise-t-il. Pour se préparer, il était 28 ans. A confié cette remise au yoga afin de travailler ses postures et d'approcher au plus près son modèle animé du classique de 1950. Cette fois, de rien d'iconoclaste, mais une très grande fidélité au film d'animation que je n'avais pas du tout l'intention de situer. L'action de Jouklin de 2015. Est-ce alors un copier-coller? Pas vraiment. Je tenais à garder l'esprit et l'identité du conte de fées, tout en abordant des sujets contemporains que les familles recomposent avec l'émancipation de l'effet. Sa compassion, mais surtout, il avait à cœur que Cendrillon soit maître de son destin et de ses choix. Lire également Maléfique Sister Angeline Jolie dans le costume. Je faisais peur à mes enfants de marâtre vérité, c'est précisément parce que personne ne l'attendait. Dans une production Disney que Kate Blanchett acceptait de rôle. C'est jouissif de jouer d'une telle méchante et c'est nauséabond. Et d'ajouter autant de nains méchant le devient. J'avais très envie d'explorer ce qui pousse un être à devenir aussi mauvais. Les plus belles pour aller danser les scènes de fée marraine fait apparaître le chanteur des robes. Balf avec l'essayage de l'escarpin devait assurément le moment fort du conte. Cette scène dit pas oui de ce costumier aux 3 Oscars. Que était confié une mission de confectionner cet habit de lumière. Elle aussi était magie ici, Grenem. Cendrillon est le film le plus scintillant sur lequel j'ai travaillé que 10-0 Christorne. Tenue. 20 personnes ont travaillé ces confections qui requis 250 mètres de tissu 500. Cendrillon était diffusé vendredi 2.